Bonjour tout le monde et bienvenue à Ultra Long Play avec Qdunix. Donc on joue à Toki. On va terminer le jeu alors. C'est parti! Oh yes! On met un j'aime! Je vous dirai pas trop qu'est-ce qui se passe dans le jeu, mais on va regarder l'introduction animation de la NES. Donc je dirai pas grand-chose tout le long de la vidéo, je vais me concentrer pour terminer le jeu. Donc est-ce que vous êtes prêts? Alors moi, je suis prêt. Toki, c'est un jeu d'arcade. Ils ont aussi fait une version Sega Genesis qui était très difficile. Et j'ai juste essayé un peu pour vous dire que cette version-là est plus facile. Donc, je me lance. Laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous. Et on vous dit à plus. On y va pour une bonne vidéo. Donc, prenez-vous un petit café, un petit truc à boire. Et c'est parti. Alors c'est parti. Toki, c'est l'homme qui se fait transformer en singe, bien sûr. Vraiment cool comme jeu d'action. Donc c'est parti, trêve de bavarderie. Laissez des commentaires sur ce que vous pensez de la qualité. Bien évidemment, c'est pas un stream enregistré en HDMI. Donc c'est direct sur la vieille méthode. Streaming du futur. C'est parti. Toki. Petit poil. Ça se peut que mon chat fasse tout planter. Petit poil, sois gentil. Eh ben. Une vie gratuite. Yeah, on mange j'aime. Yeah. Ça progresse.
Continue. Thank you.
Oh yes.
Let's go, on continue. Oh yeah, yahoo! Oh yeah! Toutou! Toutou! Donc tout le monde, c'était la long play de Toki, donc sur NES. Donc ouais, on joue avec une vraie télé, une vraie NES. Pour l'instant, j'ai pas le Master FPGA, mais ce serait bien cool. Donc c'était la présentation de Toki. Donc merci tout le monde, laissez un j'aime, laissez des commentaires, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Donc c'était QGenix, donc je vous ai fait ça. J'espère que vous avez apprécié. Donc peace tout le monde, ciao.